C'est bon? Ok, Florence, on fait comme ça. Salut Flo! Salut! Bonne soirée. Ça va? Ouais. Ça va. Bon, très bien, Jordan. On est donc toujours dans la vidéo, hein, Florence, Adrien. Ok. Donc moi, j'aimerais savoir à quel endroit, si tu n'avais pas de hauteur, où tu te placerais pour filmer un match de rugby, parce que là, on a un terrain de rugby. Si donc... je n'avais pas hauteur. Ouais. Si j'avais pas d'hauteur, donc je le mettrais ici. Je ouais. Je mettrais ici au fond. Sur quel mi-temps? Sur la mi-temps où mon équipe est ici, en fait. Donc tu filmerais ton équipe dans ? Dans le dos. Très bien. Et sur la deuxième mi-temps, tu inverserais ? Bah, j'inverserais si mon équipe attaque comme ça, je me mettrais ici. Ok. Et donc si tu avais de la hauteur ? Si j'avais de la hauteur, je me mettrais au milieu, de façon à avoir une vue d'ensemble sur le terrain. Et après, ce sera à moi de faire des jeux de zoom si l'action est là et de dézoomer après. Ok, très bien. Ouais. Ça vous va ? Très bien. Ça va pas, je l'ai déjà dit. Cette structure accueille des jeunes apprentis entre 16 et 25 ans. Qui viennent se former au BPJEPS Sport Collectif, mention foot, rugby, hand et basket. Le CFA a un partenaire historique qui s'appelle Cellform. Cellform est la partie du CFA faisant appel à la formation professionnelle continue. Ce qui nous permet de pouvoir avoir des jeunes entre 18 et 25 ans sur l'enseigne CFA et d'avoir des adultes de plus de 25 ans sur Cellform. Ces deux générations sont ensemble sur la semaine de cours. Je m'appelle Florence et j'ai 46 ans. Il y a 4 ans, j'ai décidé de changer de vie professionnelle en m'investissant dans le rugby. J'ai préparé des formations brevets fédéraux, puis on m'a proposé de faire une formation BPJEPS Sportco au sein de Format Sport Plus 58. Cette formation m'a beaucoup aidé dans la réalisation de mes séances et animations. Format Sport Plus 58 est une bonne école de la vie, apportant de la diversité dans les sports co, mais qui se ressemblent beaucoup par certains côtés. La finalité, c'est qu'à la fin de cette formation, je puisse m'insérer dans la vie active. Donc, le CFA et Cellform travaillent avec une plateforme FOAD de formation ouverte à distance qui regroupe à la fois des grains pour les spécialistes qui sont des morceaux de cours. Format Sport Plus 58 nous permet d'alterner les cours théoriques et la mise en pratique en situation. Donc on est une semaine par mois en structure à la maison des sports et 3 semaines en entreprise, donc pour moi le club de l'USO Nevers Rugby. La structure nous permet d'avoir une diversité des publics importantes avec les centres sociaux, les centres aérés, les publics de pause méridienne, le périscolaire, mais aussi nos publics en mention. Donc on a une diversité des publics donc sur le basketball, le football et le handball avec le rugby. Le CFA du sport de Bourgogne a créé une plateforme dans laquelle on peut retirer nos documents pour les cours, les différents exercices théoriques afin de perfectionner notre animation et notre connaissance des différents sports collectifs. Prennent ces cours via leur ordinateur, soit au travail, soit chez eux, soit en formation. Le BPJEPS Sport Collectif nous a permis de découvrir des différents sports peu connus en France, comme l'ultimate ou le lacrosse. Et lors de nos semaines de formation, des experts viennent intervenir pour nous apporter des savoirs afin que l'on transmette un contenu de qualité à nos différents publics. Et les gars, pensez à ranger les ballons là. D'accord. Handball. Basket. Foot. Rugby. Et oui, Format Sport Plus forme à la fois pour BPJEPS, Sport Co, mention rugby, foot, hand et basket. Le BPJEPS peut se faire en alternance. De mon côté, je travaille dans un club de football. L'alternance m'a permis de mettre directement en application ce que l'on me transmettait en cours. D'avoir un axe de travail, de comprendre les différentes façons d'animer, de comprendre les différents publics. Ce diplôme nous permet d'avoir tous les moyens pour devenir un bon animateur sportif.
C'est bon.